Eh bien salut tout le monde, c'est HypoDrift pour le coin canapé et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 du Let's Play sur Spyro Year of the Dragon, voilà, ou Spyro 3 comme vous voulez. Donc dans l'épisode précédent, si vous voulez, on a enfin sauvé le sergent Bird, ce qui nous donne la possibilité de retourner dans le premier monde et de terminer à 100% ce dernier, puisque on a enfin pouvoir avoir accès au niveau du sergent Bird dans le cratère en fusion, là où on s'était laissé l'autre fois. Je vous conseille d'aller le voir l'épisode. Je sais plus c'est quel épisode, mais il y aura une espèce de petite vidéo en bas à droite là pour vous montrer. Donc on va pas se faire chier à tous retaper tout le niveau en entier. Quand on termine les niveaux, ça qui est bien, il y a un petit raccourci qui se met directement. Ok. Voilà. Non, c'est bon. Alors, donc oui, comme je vous disais. Moi, c'est parce que j'étais pas en analogue. Donc comme je vous disais, on va faire le niveau. Voilà, vous voyez maintenant, dans l'ancien épisode, c'était bloqué. Et vous voyez que maintenant, je sais pas qu'est-ce qu'il va dire. Entre donc, vieux frère. Voilà, donc là, on va contrôler le sergent Bird. Salut Spyro, je suis en route pour la loge Tiki, pour me détendre. Ok, quelque chose me dit qu'il va pas faire que se détendre. Donc... ouais, ça fait deux niveaux de Sergent Bird à la suite, mais c'est pas grave. Je préfère les faire ceux-là avant de passer à la suite. Je joue à cache-cache avec mes amis. Si je n'arrive pas à trouver où ils ont caché leur tête, ils ne me laisseront pas adhérer à la loge Tiki. Aide-moi à les remettre en place et je te ferai entrer comme membre non. Attends. Je joue à cache-cache avec mes amis, jusque-là ça va. Il faut que je remette leur tête à leur place. What? Ah oui, il y a les connards d'oiseaux, je m'en rappelle. En plus, ils font que respawn. Aïe aïe aïe. Oh putain, vous avez vu? Ok. Bon, on va essayer de choper tous les diamants du niveau, comme ça. Eh ben, ça voudrait dire qu'on aurait terminé vraiment le premier monde à 100%. Aussi, je sais pas si vous avez remarqué. Enfin, normalement, vous devez avoir remarqué maintenant. Avec l'aide d'un ami, fait un nouveau design de vidéo, c'est-à-dire, vous voyez, maintenant autour vous pouvez voir qu'il y a. Vous pouvez voir qu'autour de la vidéo il y a toute une espèce de. Toute une espèce de design avec par exemple donc le logo de la chaîne, un logo abonnez-vous, tout ça. Et on voulait savoir votre avis par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez, donner des petits effets, tout ça. Je voudrais avoir votre avis par rapport à ça, parce que ça fait du montage à faire et c'est un peu long à faire. Du coup, ce serait pour savoir qu'est-ce que vous en pensez, pour savoir si on le refait pour les autres vidéos. Moi, je trouve que ça fait plus professionnel, enfin, ça fait plus propre. Après, c'est que mon avis personnel. Merde, c'est pas facile de le contrôler. Et donc voilà, surtout n'hésitez pas à nous donner en commentaire votre avis sur la question, parce que voilà, on a envie de savoir un peu si on s'est fait chier pour rien, ou si ça vous fait plaisir aussi. Hop, donc là on est déjà à... J'arrive pas à poser sa tête. On est déjà à 3 têtes sur 5, c'est pas mal, on avance assez vite. Je vais juste retourner là-bas, parce que je crois que j'ai vu des diamants que j'ai pas pris. Voilà. Voilà, donc là, logiquement, on a tout. Donc voilà, c'était juste, la vidéo là sera courte, c'était aussi pour vous faire l'annonce de, bah justement, du machin changé là, du nouveau design de la chaîne, si ça vous plaît. Pareil, là on est en plein en train de faire les vignettes, tout ça, on est en train de refaire les vignettes pour que ça fasse vraiment beau. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis, ça fait... oh la pute, ça fait plaisir. Je crois qu'il y a un... si je me rappelle bien, je crois qu'il y a un... truc à casser dans un mur, je crois. Mais je dis ça à chaque épisode, mais je suis sûr qu'il y en a. Oh, là-bas, non. Ah. Voilà, voilà. Donc, ouais, contrôle du sergent Bird, c'est toujours la même chose. Hein. Ça n'a pas changé depuis l'épisode dernier. Ouf, le lance-flamme qui a failli me cramer les plumes du cul, là. Alors, je sais pas si c'est la dernière, là, ou pas, de tête. On va voir. Non, il en reste encore une. Ok, donc le corps est en bas là. Et la tête elle est où?
Non. Ouais. Ah, peut-être derrière là. Non, on en vient d'ici. Alors, sinon, qu'est-ce que je veux dire? Oui, vu que ça prend quand même pas mal de temps à faire le design, tout ça, de la chaîne, peut-être que les vidéos mettront un peu plus de temps à sortir, mais je pense que ça restera assez régulier, c'est-à-dire, je pense, tous les un ou deux jours, quoi. 2-3 jours maxi. Et donc, vous voyez que là, on a terminé à 100% les diamants du niveau, et je pense qu'une fois qu'on aura donné la tête, eh bien, on aura terminé à 100% ce monde, donc le premier monde de Spyro, voilà. Hop les, voilà. Prends cet œuf comme carte de membre honoraire de la loge. D'accord. Ryan. Ryan is in the kitchen. Donc voilà, c'était une vidéo qui sera assez courte. Que ça arrive. C'est la première fois que ça arrive. J'espère que c'était pas un mauvais passage. Non, y a pas de souci. J'ai pas tous les yeux là. Sergent Bird fait exploser un mur. Ah, hey, vous avez vu, il me manquait en fait deux œufs. C'est bien ce que je pensais, qu'il y avait un mur à exploser. Alors après, faut que je sache où c'est qu'il est. Peut-être c'est ça. Il lève là. Voilà. Luna. 4 des Luna. Donc voilà, cette vidéo elle sera assez courte. Moi je fais celle-là, c'est juste pour, on va dire, en tant que vidéo annonce. Et vraiment pour officialiser la fin du premier monde. Et aussi pour vraiment vous montrer qu'on est vraiment déterminé à faire une chaîne qui soit vraiment de bonne qualité. Donc voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager la vidéo. Ça ferait vraiment super plaisir et ça ferait du bien à la chaîne. Et donc voilà, j'espère vous revoir pour l'épisode suivant. Ouh, je me suis cramé le cul. Alors attendez, on va juste vérifier sur l'Atlas avant de terminer cette vidéo. Donc vous pouvez voir que là, on a terminé à 100% le niveau du soleil levant printanier, vous voyez, donc c'est-à-dire le premier monde, avec donc tous les niveaux là qui apparaissent. Donc on a tous les diamants de tous les niveaux et tous les œufs de tous les niveaux. Et donc au total, on est à 28% du jeu déjà, ça passe vite. Et donc dans l'épisode suivant, on se retrouvera sur le jardin de midi à faire le niveau du pic de glace. Voilà, allez, à la prochaine.